Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je recommence à partir de là parce que tout simplement j'ai redémarré entre parenthèses ma partie. Donc on va éviter de faire la même boulette avec cette belle bonbonne explosif. Donc je vais reprendre un petit peu mon hache. Plutôt celle-là. Tiens, 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 c'est qui? Ça me rappelle des souvenirs, ça. Une vieille folle qui va nous faire crier un petit peu. Regarde là. C'est trop n'importe quoi, comment elle gueule. Et tu vas me tourner autour comme ça pendant 2 minutes ou quoi? Voilà, c'est bon, on l'a éclaté. Et dis donc, elles ont quand même beaucoup de pognon sur elles. Ces petits monstres. On va passer par là. Donc nous, on doit se rendre juste un petit peu en face. Donc, on va ramasser un petit peu ce qu'il y a. Tiens, 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 bonjour toi. En un coup, il a été tranché. Ça, c'est bien. Alors, on est là. L'objectif suivant, c'est juste de passer un peu cette barrière. Histoire de voir, en fait, sur quoi on va tomber. Ah, oui, si tu veux. Les explosions, ça y est, on commence... Oh putain, ça je pensais pas que c'était au programme, ça. C'est sympatoche en fait d'avoir ce genre de problème, c'est-à-dire lequel va tomber sur un monstre comme ça aussi énervé. Ça lui enlève rien du tout par contre, vous avez vu? Donc les armes en fait à feu sont un petit peu... Bah pas terrible en fait contre les monstres. Mais ça lui a quand même enlevé un petit peu la grenade, hein. C'est bien qu'il bouge pas. Bon, on va passer au plan B. Le plan où Body va se bourrer la gueule. Puis il va sélectionner sa petite arme. Et là, c'est la merde. Ça va, j'ai de la chance. Non mais d'accord, je dis j'ai de la chance, mais en fait j'ai pas du tout de chance, ouais. On va dire, mais Body, il faudrait que tu prennes l'arme la plus puissante. Mais c'est vrai, t'as pas tort. Tu vois, je t'écoute quand même derrière mon écran de temps en temps. Mais pas tout le temps non plus, parce que des fois j'aime bien tester des trucs par moi-même. Bah, ce que c'est vrai, parce que à chaque fois, si quelqu'un a quelque chose à dire, t'es dépendant de cette personne. Et c'est pas forcément le cas dès que tu veux jouer à ta façon. Arme blanche, compétence, le roi des rois. Merci, merci. Donc ça veut dire qu'on a en fait atteint un grade maximum. Je crois bien, je suis pas certain, mais c'est ce que je pourrais dire. Donc le roi des rois, ça veut dire qu'on a... Bougez pas. Ouais, non, c'est niveau 10. D'accord, donc le roi des rois, c'est pas encore ça. Alors, avant ça, je vous avais parlé de quelque chose. Mais vous allez me dire, mais tu nous as parlé de quoi? Bah d'améliorer une chose. De tout simplement, peut-être, hein, chance de trouver une arme améliorée. On va pas faire les cons quand même, on va se mettre 2 points de compétence. Donc c'est quoi ça? Ah d'accord, donc lorsque je suis sous aussi, ça me permet de me régénérer. C'est trop bien. Donc tu vois, en fait, finalement, faut pas s'embêter. Donc, vous préférez faire quoi? Entre la bouteille d'alcool qu'on va s'en servir de plus en plus, ou tout simplement, bah tu sais quoi, la bouteille d'alcool va me permettre de me régénérer. Tu sais quoi? On la prend. Donc moi, je dois tout simplement poursuivre un petit peu plus loin. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis une alarme comme ça. Là, heureusement qu'on a peut-être un monstre, mais imagine on en a deux. Merci de me montrer que j'ai beaucoup de mines, hein. Bon, de toute façon, j'ai trouvé un moyen de les éliminer, les mines. Comment? En tirant dessus, voyons. Quoi? 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 C'est une blague? Quoi? Vas-y, ils sont pas sérieux. Et ça? Oh, la logique du jeu! Bon, bah, à moi de pas me faire avoir. J'ai fait une option pour pas me brûler. Regarde, et je me brûle quand même. Hein. Je sais pas si c'est bien de monter là où je suis, mais essayons quand même. C'est quoi ça? Fusée de détresse. On va l'échanger contre... Contre quoi, Woody? Bah, contre ça, peut-être. Contre le flingue normal. Ça peut faire péter peut-être quelque chose.
Ah, mais c'est pas logique. J'aurais tiré à l'intérieur. Attends, est-ce que ça le pète? On est d'accord. Oh, c'est minable. C'est minable. Regarde. Ça fait rien du tout. Oh, mais vas-y, c'est une farce ce jeu, je te jure, c'est une farce. Donc, c'est un jeu qui a été créé en 2000, 2011, mais. À cette époque-là, ils se sont dit non, si on tire sur les projectiles, c'est pas normal qu'ils pètent. Moi, je vais mourir. Ah. Putain, ça m'a carrément fumé ma barre de santé. Allez, on se pique. On est là pour ça. Moi aussi, je passe par là, t'es d'accord? Avec moi, je vais rien déclencher. Non, c'est normal que eux, ils font pas péter les mines, quoi. Non, mais c'est une blague, le jeu. Ils font pas péter les mines. D'accord, je pensais qu'ils allaient finir dessus, mais non. J'observe parce qu'il peut y avoir des trucs aussi qu'on peut louper. Bah, viens me faire un bisou. Pas cette façon, quand même. Ah, l'autre, il a vraiment pété. Ah, bah voilà. C'était aussi simple que ça. Certains pètent et d'autres pas, si tu veux. Eh ben dis donc, c'est une vraie blague quand même. Donc il y a des drapeaux, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc finalement j'ai bien fait. Attends, on désactive la sirène. Ça va les monstres? Non, ils vont pas bien. J'attends qu'il y en ait un qui arrive juste en bas pour lui sauter dessus. Comment ça tu vas lui sauter dessus? Bah en fait le jour où il descendra un peu plus tard, tu vois au niveau de là, on essaiera de le voir. Voilà, maintenant. T'as pas d'amis toi derrière? Il a pas d'amis. Attends 2 secondes. Il va arriver ou pas tu crois? Bien sûr qu'il va arriver. Bien sûr. Mais ta soeur, toi, elle est belle, hein. T'as vu, il est arrivé en moins de 2 secondes. Par contre, il y a quelque chose à faire là-bas. Oh, mais tu vas te calmer, toi. Merci pour la thune, je l'ai même pas pris. Putain, c'est des tarés quand même dans ce genre de jeu. Et hop, tu prends l'argent en même temps. Je fais attention au niveau des mines, moi. Putain, il y en a 3-4 là. Ouah, comme il est maniqué en 2 secondes! Ouah, il va se calmer lui ou pas? En moins de 2 secondes quoi. Recouche-toi. J'ai dit recouche-toi. Donc on va essayer de fouiller pour voir qu'est-ce qu'il y a. Niveau 2. C'est un peu de la merde, mais bon. Prenons un truc. Je peux. Non, dommage. Jamais je prendrai ce truc-là. Je regarde parce que des fois il peut y avoir des trucs un peu intéressants. Oh non, pas cette connerie encore. Ça m'a encore parlé pendant 2 heures. Au secours. Bon, merci. Non, elle a pas encore fini de parler. Elle est sérieuse, elle. Voilà, enfin, c'est terminé. Parce que franchement, je comprenais rien ce qu'elle disait. Aïe, 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 il faut vraiment que je me mette à l'anglais, moi. C'est super important, les amis, hein. Ça vous permettra de comprendre un petit peu cette fameuse langue internationale. Si un jour vous avez envie de sortir du territoire, et même dans les jeux vidéo, c'est super important parce que les éditeurs, bien évidemment, ils parlent la langue. Ils parlent cette langue-là et c'est très intéressant des fois de voir en fait qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Parce qu'il y a des conférences qui se font en anglais et franchement, ils ont beaucoup de trucs à nous apporter en fait. C'est ça qui est kiffant parce que si tu maîtrises l'anglais, bah, tu sais exactement de quoi on va dire le jeu est fait, comment il est constitué, etc., etc. Beaucoup de choses très intéressantes. Bref, c'est super important l'anglais si tu veux savoir. Donc là, je vais tout simplement essayer de me faire un petit tour.
sans me faire avoir par ces fameuses mines qui nous stressent quand même un petit peu. Attends, je me mets ici. Allez, cours, 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 cours. Coucou. Ah, il a bien sauté quand même. Il m'a fait plaisir. Il nous a fait un spectacle en live. Donc là, il y a le gros boss qui est là-bas au fond. C'est bien parce que le gros boss, comme ça, je pourrais le tuer plus facilement. Tu vois? Et c'est déjà éclaté la gueule tout seul. Par contre, c'est un peu dangereux de se coller là, mais on va essayer. Et la mine à côté de lui, il a pas pété. Ah, magnifique. Quel beau spectacle. Toi, tu passes comme ça. Lui, par contre, c'est de la tricherie ce qu'il vient de faire. Donc, je vais ramasser des choses sur le boss. Attends, on va rigoler un peu. J'ai préféré monter. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait une échelle. Oh, les monteurs! Non, mais je trouve qu'il est mal fait quand même le truc parce que j'étais déjà arrivé à une petite partie. Faites-vous péter pour la peine. Non, je suis quand même bien arrivé là, là-haut là. Et bah finalement, ils m'ont quand même défoncé le cul. Putain, c'est pas vrai. Des fois, t'as des trucs, t'as des logiques qui sont pas évidentes. Je t'explique. J'étais arrivé à là. Donc la hauteur est quand même correcte. Non, plutôt, ouais, vers là. Il a quand même réussi à me piquer. À me faire descendre en quelques instants. Il y a vraiment des tarés quand même comme zombies. Hein. Il en reste un dernier et c'est bon. Faut descendre les échelles parce que si tu sautes, tu vas mourir. Tu vas perdre un peu ta vie. Tu vois, tu descends comme tout le monde. Eh ben non, il y a un mec qui t'attend pour te faire du mal. C'est où que ça clignote comme ça là? C'est vers là-bas. Tiens, 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 ça m'intéresse les trousses comme ça. Franchement, dommage qu'il n'y en a pas un peu plus dans le jeu. Ah, pour une fois, ils m'en mettent. Ça veut dire qu'on va se taper un de ces boss. Ouais, c'est ce que je pense. Tu viens ou pas, toi? Non, lui, il a pas envie de bouger. Pourquoi là-bas, ça gueule dans ce cas-là? D'accord, c'est lui-là, en fait, dès que tu t'approches de lui, il t'éclate ta race. Si tu veux. C'est une solution parmi tant d'autres. Il manque plus qu'il me sorte un boss et ça y est, on est refait. C'est bien d'avoir des armes qui font 1000 de dégâts. Jamais, pourquoi tu dis ça? Bah, c'est très intéressant, sincèrement. Des cartouches de fusil à pompe. On va changer contre le fusil de détresse parce que franchement, tu peux te le garder. Fusil à pompe. Body recharge les balles, c'est super important. C'est super important. Voilà, dommage qu'on peut pas conserver un petit peu plus de munitions dans notre inventaire. Comme j'arrête pas de le dire. Ok, donc là, tu vas voir, il y aura une super arme. Quoi? Oh la madre mia! 3400. Ah, direct. On n'hésite même pas. D'accord. Ah, c'était quel crochetage ça, niveau 3? Tu vois, elle est pourrie cette arme-là, finalement. J'en ai une meilleure. Elle coûte combien, par contre, à la revente? 600. Body, t'es un clochard sérieux ou quoi? Attends, je vais virer des trucs parce que, à mon avis, je dois transporter des trucs tout pourris. Non, mais au bout d'un moment, ça suffit les bêtises, Body. Transporte des vraies armes. C'est quoi ça? Ça se rend même pas ce truc-là. Allez, dégage. On va la prendre. Voilà. J'ai tout simplement voulu prendre des armes plus compétentes. J'ai cru que c'était une bombe là. Je te le jure. Je te jure, j'ai cru que c'était une bombe. Donc, on va désactiver la dernière sirène qui gueule comme je sais pas quoi. Merci. Quel silence. Trouver l'entrée du bâtiment. Non, c'est pas vrai. Comme si on n'allait pas poursuivre dans un bâtiment après. Tiens, 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 ça clignote bien là. Coucou toi, ça va ma petite cochonne? Merci. Elle va bien quand même. Hein. Donc, il y a quoi à fouiller? Boisson énergisante. Ça nous permettra un petit peu plus de pouvoir se donner un peu de vie. Mais il n'y a rien en fait ici. C'est pour ça que j'étais en train de moins bien moins parler parce qu'il n'y avait rien. Et là, cette tricherie. Tu passes par là et t'as tout coupé. Putain, mais ça clignote vraiment partout ici, hein.
C'est là que je me prends un gros truc de la gueule, on va bien rigoler. Donc ça, c'est très important, les amis. C'est mon endroit préféré dans le jeu. Pourquoi? Parce que je peux réparer mes armes. T'es sérieux, espèce de clown? Bah oui, écoute, on va même améliorer maintenant des armes. On va enfin créer la hache. Elle est où la hache? Attends, on va prendre les derniers. Ouais, comme par hasard, on peut pas. Parce qu'il me manque des matériaux. La masse, j'ai pas de masse. Ça sert à rien cette masse là. Y a rien pour la hache ou quoi? Non. Il y avait quelque chose là pour la masse. Ouais, y a... c'est pas tout que tu vas trouver, hein. Ouais, laisse tomber. Ouais, donc après, le but c'est d'améliorer certaines armes, mais malheureusement, je les ai pas encore trouvées parce que moi, je joue beaucoup avec la même parce que je me dis que ça sert à rien d'en changer parce que tant que j'arrive à faire beaucoup de dégâts, c'est ça qui compte pour moi. Parce qu'après, faire mon intéressant avec toutes sortes d'armes, c'est pas forcément ce que je recherche parce que j'ai envie d'avoir quand même une arme bien puissante. Ouais, ça c'était à prévoir ça, qu'ils allaient nous sortir ce genre de conneries. Faut qu'on localise des explosifs de la base militaire. Et justement, je les ai même pas vus en fait. C'est quoi ça? Pff, donner un peu plus d'argent, bande de crevards. Il y a un mec, il est un petit peu en manque là-bas, là. T'entends comment il gueule? C'est des boîtes de conserve. Oh là là là, il a un problème psychologique, regardez-le. Boum. Bah quoi, c'est réglé, non? Il y a même le bras qui est resté. D'accord, ça s'appelle le barreau d'honneur. Hein. Le bras d'honneur, ouais. Putain, salopard, il m'a amené son frère qui m'a éclaté le cul derrière. Oh, l'ordure! Je voulais me foutre la gueule du zombie, mais finalement, c'est lui qui a gagné. Hein. Oh, l'ordure! C'est le zombie qui a gagné, quoi, à la fin. C'est une blague, quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas une blague, sérieux, ce jeu? Bon, la caisse de munitions, elle est où? Attends, je vais essayer de voir. Localiser les explosifs dans la base militaire. Pour moi, les explosifs, ils sont peut-être ici. Non, il n'y a rien du tout ici. La seule tente qu'on n'a pas fait, c'est celle en face. Je sais même pas où c'est. Tu vois, pour moi, les seuls explosifs, ils peuvent être ici. Ouais, t'as raison. Tiens, 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 il y a des trucs peut-être ici. Faire sauter la porte. Sans se faire sauter, bien évidemment, ça ils le disent pas. C'est où ces petits trucs? Posons la charge explosive. Et après, bien évidemment, faudra pas que je m'aventure trop longtemps ici. Eh ben voilà. Ça c'est bien ça. Donc on a obtenu un nouveau point. C'est-à-dire ouais c'est génial. Et après tu vas faire quoi avec ce point? Bah écoute, on va être assez intelligent. On va tout simplement se mettre trouver des armes améliorées. Bah oui écoute, hein. Ça peut être intéressant. C'est quoi la tête de mort là? Chance de mettre KO un ennemi lorsque vous subissez des dégâts. Ne s'applique qu'aux ennemis au niveau inférieur. Identique ou inférieur. Ouais d'accord, ça veut dire que les zombies un petit peu plus poussés. Ils vont nous emmerder. Putain, j'aimerais tout améliorer, je vous le cache pas. Le problème, c'est qu'on manque de points. J'ai fait quoi, là? Ah oui, j'ai préféré prendre une arme. Ouais, si tu veux, body. Bah, c'est vrai, c'est beaucoup plus intéressant, non? Après, il faudra que je revende toutes mes conneries que j'ai aussi. Donc, dès qu'on va trouver le truc, un marchand, je lui revends tout. C'est bien par contre que tu trouves des objets, t'as déjà le prix quoi. C'est trop logique. Coucou, on va pas marchander. Ça, c'est des mecs qui sont en vie. Dead,
Ah non, mais moi je fais attention parce qu'ici on sait jamais sur quoi on va tomber. Un joli flingue. En fait, il nous donne juste un chemin à faire. Attends. Il y en a un qui va se réveiller, c'est obligé. Je sais pas, j'ai un pressentiment de ouf qu'il y en a un qui va venir nous embêter. Par contre, ils mettent que des flingues. C'est pas pour rien, je pense. C'est là qu'il faut y aller? Bah, vas-y, je suis le chemin. J'explore rien du tout dans le jeu, je suis juste le chemin. Il n'y a pas un clochard qui est caché quelque part et qui va juste me sauter dessus pour me racketter. J'ai de la chance pour le moment. J'entends juste un petit pervers là en train de faire du bruit quelque part. Tiens, tiens, tiens. Bon, je peux enfin améliorer les trucs. Ou pas du tout. Donc on a des trucs qui vont pas. Oh, c'est quoi ça? Ah, tu peux améliorer aussi? Non, les armes, tu peux pas les améliorer. Ah oui, tu peux les améliorer, les carabines. Bah vas-y, hein, soyons fous. Elle fait 5000 de dégâts. Elle fait 5000 de dégâts. C'est pas un truc de ouf, cette carabine, maintenant. Le fusil à pompe, on va faire exactement la même chose. Ah, il gagne pas beaucoup, le fusil à pompe, par contre. Ah, c'est qu'il est pas terrible, celui-là. En plus, la carabine, elle est pas puissante parce qu'elle a pas une bonne couleur. T'es pas un peu con? Je me suis trompé de carabine. Me dis, t'es con. T'es trop con, même. Merde. T'es trop con, c'est celle-là la plus puissante. Oh, le con! Putain, j'ai encore dépensé de l'argent pour rien. Je suis chiotte. Chaque fois, je dépense mon argent bêtement, moi, dans ce jeu. Bon, c'est pas grave. Considérez que vous avez rien vu et moi non plus. Comme ça évite de me stresser. Parce que là, ça vient n'importe quoi. C'est ridicule. Créer. Bon. On va tout simplement enfin créer un truc. Je viens de dire, ouais, mais c'est bien, tu vas créer quoi, espèce de clown? Ah, ça, c'est mon hache. C'est mon hache, ça, ou pas? C'est celle que j'utilise? Oui. C'est ça. C'est bien, ça, body. Mais je vais voir s'il n'y a pas. Ah, il y a un autre truc. La hache. C'est que du poison ou quoi que j'utilise là? Ah, électrique. Close. Je m'en fous. Je m'en fous. Je regarde vite fait ce que j'ai comme possibilité. Hein. Donc, j'ai. Ouais, ah, ça me plaît, ça. Ça c'est mieux, tu vois, ça c'est mieux. Donc la fameuse hache qu'on a, on va l'améliorer. Après on va la réparer parce que bien évidemment avec eux, on est dans la merde. Elle est où mon hache? Quoi, je l'ai pas mis à fond? Arrête, c'est-à-dire j'ai une hache, elle est jamais, elle était pas à fond. Bah si. Non mais t'es con quoi, c'est hache orage. Et toi t'as amélioré laquelle, espèce de con? Attends, parce que je crois que j'ai encore déconné là. J'ai amélioré une bleue. Ouais, ça doit être celle-là que j'ai améliorée comme un con, elle fait 800. Oh, mais body, ferme ta gueule, sérieux, tu fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, restons avec celle-là. C'est pas grave, on va pas faire le con. Voilà, ça peut nous servir de faire ça. Il y a beaucoup de pièces électriques qui vont nous permettre peut-être d'améliorer davantage certaines choses. Tiens, j'ai rétabli l'électricité. T'as vu ça? Ok, ils veulent qu'on fasse quoi? Trouver la section de communication à l'étage supérieur. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux. On va allumer vite fait la torche. Et là, je pense qu'ils vont tous se réveiller comme des gros cochons. Ouais, cette hache-là, elle est bien, mais elle fait pas. Ah si, c'est la mienne en fait. Bah, j'ai raison en fait, c'est bien. C'est là que j'ai amélioré. Tiens, des fois, la fatigue, elle fait faire des trucs. Laisse tomber. S'il te plaît, ouvre la porte, body. Oh non, il y a un gros cochon là-bas qui va péter. Bonjour simulateur. Bon. Oh, tu t'es pris la porte, espèce de con. T'es trop con, toi. Body, le chauffe pas trop parce que c'est lui qui va te casser ta gueule. Bon, il me faut beaucoup d'argent. Vous avez pas quelque chose à nous fournir? T'imagines déjà que mon arme elle était tellement puissante et que maintenant qu'elle est électrique en plus, t'as aucune chance de te relever. Du moins, c'est ce que je pense. Après, peut-être qu'ils sont immunisés certains contre certains types d'armes. Ça m'étonnerait pas. Coucou, y a personne là? Ramasse-moi ça. Donc après, je. Fouille pas trop.
Oh, le menteur. Et t'as vu, il voulait me faire un bisou, hein. Allez, pique-toi un peu. On va prendre un peu d'anabolisant. Dégage-toi. Parfait. Allez, fume le Saras. C'est pas mal comme machin en fait, hein. Donc ils ont quasiment aucune chance. Donc je récupère mon endurance. T'es d'accord avec moi? Ah, ça fonctionne pas tous les coups. Oh merde, ça fonctionne pas tous les coups. Ça aurait été trop facile, je pense, non? Bah oui, parce que. Ah, ça c'est quoi ça? Carrément une batterie. Eh, il a pas un truc lui sur lui? Oh la blague! Il avait rien. Il avait rien à nous donner? Oh l'ordure. Bon, je passe par là. Voilà, merci. Je t'embrasse passionnément. Je récupère tout ce qu'il y a en fait ici au niveau de l'informatique. La boisson, je l'ai même pas vue, mais on la prend quand même, on en a besoin. C'est bien. Vous avez de l'argent, les gars, ou pas? 46. Putain, tout naze, toi. Bon, vas-y, toi, dégage de la body parce qu'il y a une propagation du feu qui est très importante. Et moi, je vais te répondre, t'as pas tort. Mais tu passes par où maintenant? Ah oui, il y a un panneau d'incendie peut-être, l'extincteur. D'accord. Moi, je fouille pas tout, hein. Ça va, on n'a pas forcément besoin de tout fouiller. On n'a pas besoin de tout fouiller non plus, quoi, à chaque fois, quoi, je pense. C'est pas tellement intéressant de tout prendre, quoi, à chaque fois. Sachant que j'ai quand même pas mal de trucs. L'alcool, ça veut dire que la fête va être plus folle là. D'accord. Ça veut dire qu'il y aura un boss. Pour l'instant, il est tombé que sur des enfants. Il s'est pris la porte, ce gros con. S'ils arrivent derrière moi, je suis comme un con. Ça va. Nickel. Aïe, moi-même, je me suis fait éclater la gueule. On ferme toujours la porte derrière soi, Body. T'es pas au courant? Si, maintenant je le suis. Donc les imprimantes, j'y ai rien. Dommage qu'il n'y a pas plus d'argent en fait dans le truc. Coucou. C'est bien qu'ils sont au sol comme ça, ils bougent pas. Ne bouge surtout pas toi non plus. Pour l'instant, je peux pas trop passer pendant que les trucs électriques sont présents. Ah, toi, faut aller te voir, espèce de petit con, hein. Dommage que ça électrocute pas les autres. Choquant. Moi aussi, je me prends par exemple des fessées. Je vais me soigner parce que j'ai point de perdre 2000 balles là, bêtement. Ah, ça sent le boss. Pas maintenant, mais un jour, quoi. Ok, on passe par là. Ça va. Je vérifie tout parce qu'avec eux, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Non, le flingue m'intéresse vraiment pas. Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout un tireur en fait dans le jeu. Je suis un malade quand même. J'utilise beaucoup d'armes de poing. Ah, il y a le gros cochon là-bas. Il a lancé un steak. T'as la dalle ou quoi? Là, je vois rien, t'es mon cul, je suis électrocuté. On est d'accord, j'ai enlevé un petit peu de barre de vie. Vous allez me dire, oui, c'est bien. On va tout simplement boire un peu. Regarde, regarde. J'aime pas ton steak. Bois un peu, petit. Mais c'est pas vrai, je peux pas boire ou quoi? Bon, là, on est bourré. On est bourré, 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 bourré. Bon, vu qu'on est bourré, on va le débourrer là. Soigne-toi parce que ça va être de la merde sinon. Balance ton steak, toi. Oh, le tricheur. Je suis encore bourré ou pas?
Ça s'active pas à tous les coups ce truc là. T'avais rien à me donner d'intéressant. Griffes, mais qu'est-ce que je m'en fous moi de tes griffes? Tu comprends pas ça? T'as pas d'argent? Non. Elle a rien à nous donner le fameux zombie là. Rien du tout. Bon, à mon avis. Tiens, 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 il y a une radio à débloquer là. Briggs. Is this Colonel Briggs? Briggs is dead. Who's this? Colonel Sam Hardy sent me. I'm here in Henderson with a group of survivors looking for a way off this goddamn island. Look, I'd like to help you, but I can't. Sorry. You'll have to hang tight. What the fuck is wrong with you people? First you abandoned Benoy, now Pal and I? Benoy? How do you know about Benoy? You say Hardy sent you? Wait a second. You're one of the immune. I met you on the ship. Remember me, Serpo? Serpo? You left us on the ship, you son of a bitch! Look, 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 I'm sorry about that. We're trying to help people here. We're working on a vaccine. Yeah, and soon as you have it, you're gonna nuke the whole damn island. Well, you must think I'm stupid as hell. Where the hell did you hear that? Nuke the island? Did Hardy tell you that? Because if he did, that's bullshit. So what? Should I believe you over him? Hold on a second. What? Harlow? Are you positive? Okay, get her. Do it. Just don't let her get away. Sorry about that. Time's running short. I'm sending you a chopper. What's your location? Old Town Cinema. Watch yourself with Hardy. The man cannot be trusted. That chopper's on its way. Donc voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, également si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus, et si vous êtes un petit peu plus curieux et vous avez envie de savoir un petit peu plus de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens seront dans la description, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, à bientôt pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, gros bisous.